Bonjour et bienvenue à l'émission Cuisine en Couillant. Aujourd'hui, on va faire une recette de général Tao. Ça nous prend du poulet coupé en cubes, de l'huile d'olive, de la farine de miel, des gousses d'ail, de la sauce soya, du gingembre, de l'huile d'olive. Et... Pour nous aider un petit peu, bonjour tout le monde. C'est du vinaigre de riz. C'est de la fécule de maïs qu'on a diluée dans l'eau. Ça, c'est de l'huile de canola. OK? Mon petit William, de quel chef on s'est inspiré pour faire ça? Parce qu'il y a vu. Kanban? Le chef chinois? Oui. Ouais? Dans les volailles du Québec, on s'est inspiré. Ce qu'on va faire, on va mettre la farine avec le poulet. Et on va faire cuire le poulet. OK? Yeah. Non, on met la farine dedans. Tiens. On met la farine dedans. C'est toi qui vas brasser le sac? Ouais. Là, nous autres, on le fait avec une panure légère. OK. Hop. On ferme le sac. Ça va bien fermer parce que sinon, la farine va m'envoyer. Tu vas mélanger toute la farine. Dans ce temps-là, on va ouvrir le four. On va faire chauffer l'huile. Là, le sac, on va le jeter. Dites-moi qu'est-ce que tu fais. Ça va. Pour savoir quand notre huile est chaude, on prend une petite spatule de bois. Puis quand ça fait des bulles, quand l'huile est prête, on va faire cuire le poulet. OK. La coupe de poulet va être cuite. On va bien dorer le poulet. Ça va être bien doré. On va les mettre d'un côté dans l'assiette et on va faire la sauce. Ouais. OK, bon, William, on a fait cuire environ 10 minutes. Donc là, c'est prêt. On va réserver de côté. Après ça, on va faire la sauce. Et après, on va la refaire cuire avec la sauce, OK? Ouais. On va mettre dans l'assiette. Fais attention à toi. Ça va être chaud. Attends, on va le mettre dans l'assiette. OK, on a tout mis dedans. Je vais regarder un petit peu d'huile à côté. Là, William, tu vas me prêter. Tu vas me passer le four avec l'ail dedans. Je vais le mettre. Fais dans son. Fais ça. T'es dedans? Je vais juste prendre le. Comme ça, ça va être bon. OK. Qu'est-ce que je veux, papa? Oh, j'avais fermé mon. Qu'est-ce que je veux, là? On va donner le gingembre. Je vais le mettre. OK. On va mettre ça avec. Parfait. On va faire rôtir un petit peu. Avec quoi? Qu'est-ce que je mets? On va le laisser cuire un petit peu. Puis après ça, on va mettre le miel. On passe un peu. On se met dans la main, on va là. Pas de sel parce qu'on met beaucoup de sauce soya dedans, ça c'est très salé. On va mettre une poire. OK, on va laisser cuire un petit peu. Ça prend un petit peu de saveur. Faut pas trop laisser cuire par exemple. Parce que si l'ail elle brûle, oh là ça goûte mauvais. Je vais rocker là-bas. Tu veux comment qu'elle reste dedans? Non. Maintenant que je mets la sauce soya. Là, ça va me donner. Je vais mélanger un petit peu avec. Faites attention, hein, toujours tranquillement. Parce que regarde, si ça va sur toi, oh boy, ça va faire des gros. Je peux mettre. Qu'est-ce que je mets? Là, le vinaigre, de riz. Un petit peu de vinaigre de riz là. Tranquillement quand on vide de quoi. Okay?
Maintenant, qu'est-ce que je mets? On va laisser bouillir la sauce soya. Tu vas faire un peu de sauce. Tranquillement. Tranquillement. On va laisser bouillir un peu pour épaissir, puis après on va mettre le poulet dedans. Parfait. Ça donne une drôle de couleur, hein? Ouais. C'est ça, la couleur, quand on va au restaurant, là. Oui. Général Tao, c'est cette couleur-là. Ouais, la sauce. Là, on va faire bouillir la sauce. Puis là, elle va épaissir. Qu'est-ce que ça fait quand c'est épaisse? Ça va coller après le poulet. Maintenant, on va mettre le poulet dedans. On va faire réchauffer encore, ça va être très, très chaud. Après ça, on va se monter une belle assiette. Tu vas apporter le poulet? Je vais prendre le poulet. Ouais. Non, on va se ramener dedans. Parfait. Wow, c'est lourd. C'est lourd? C'est lourd, c'est lourd. Là, tu fais attention à toi. Mmh. On va mettre le poulet dedans. Ok? Tu vois, il y a la sauce. Mmh. Elle est beaucoup épaissie. Mmh. On va mettre le poulet dedans. Donc, on mélange bien. On va le laisser cuire. Et après, on se fait une belle assiette. Quand tu mélanges. Comme ça. Mm. Faut faire en dessous puis tu mets tout là. Ok? Tranquillement. Toujours tranquillement. Vas-y, vers toi, comme ça. Regarde. Non, tiens, tranquillement. Comme ça. Vers toi. Tranquillement. Et c'est ça. Tranquillement. C'est ça. Hein, t'es un champion. Et un petit truc, William. Ouais. On va mettre du riz. Dans un petit plat. Ah oh, oui. Faut pas que ça colle. On mouille un petit peu le. Papa, comme t'as la chaîne pour le soir. Ouais, on mouille le petit bol pour que le riz colle après. Pourquoi tu l'avais pas mis? Ok. C'est ce qu'on veut faire, là. Tu comprends? Là, on pourrait rajouter des petits légumes, du persil, des choses comme ça. Ok. J'aimerais aller par-dessus. Hum? J'aimerais aller par-dessus. On va mettre un petit peu par-dessus, un petit peu par-dessus. Un petit peu par-dessus, pour ses côtés. Pour la générale Tao, maison. Je t'avertis, c'est très très chaud. J'ai pas capable de décoller la sauce. Ok. Mmh. J'ai de la crème. Merci. Très délicieux. C'est bon. Ouais? Oui. Merci tout le monde. Et moi, j'ai des missions que je n'ai. Casquette. Avec William. Avec...